Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je vais manger ce repas. Alors je l'ai acheté à Intermarché, hein, au rayon bio. Alors celui-ci, je l'ai payé moins de 3 euros. Je vais tout doucement, hein, pour que vous puissiez voir. Filmer l'humain, c'est pas évident. Descends tout doucement. Alors c'est pareil au niveau poids. Ouais, il est un peu plus léger, il fait 250 grammes. Bon, je l'ai pas pesé, hein, mais à mon avis, pardon, ça doit être. Si je lance à 250 grammes, c'est que. Là, je fais à cuire directement, enfin réchauffer directement au micro-ondes. Et puis, non, forcément, là, je vais le manger. Et puis, ensuite, je vais faire une vidéo qui sera au prolongement de la première pour vous dire au juste ce que j'en pense. Allez, à bientôt. Ah, là, ce que ça donne. Alors, je peux pas trop approcher parce que c'est bien chaud. Sinon, après, on n'y voit plus rien. Mais ouais, ça sent. C'est pas mauvais, hein. Enfin, j'ai goûté déjà. Par contre, il y a une petite odeur. Je sais pas ce que c'est comme. Qui peut sentir comme ça. À mon avis, ça doit être sûrement les épices. Et puis. Ah bon. Allez, je vais manger. Et je reviens après. Bon. Alors, je reviens sur le repas. C'est le premier que j'achète. C'est le dernier. Hein. Il n'y en aura pas d'autres. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que la texture, elle est onctueuse, elle est sec, enfin sèche, excusez-moi. Par rapport à la marque, première fois que j'avais acheté, c'était Bonduelle, et puis l'autre, c'était directement William Saurin, où la texture était quand même beaucoup plus moelleuse, à passer mieux en bouche, que là, c'est sec. Hein. Et puis, au niveau des épices. Bon, je dis bien, on n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement, parce que sinon la vie elle serait triste. Mais ça, c'est mon ressenti. Mais dedans, il y a trop d'épices. Et c'est fort quand même. Donc, quand on ouvre le paquet, on sent directement les épices. Et puis en bouche, c'est pareil. Ça me rappelle un repas que j'avais acheté sur MX3, bien avant que j'attaque le TMB en 2018. Et à cette époque-là, j'avais acheté plusieurs repas. J'ai dit, je vais goûter. Puis comme ça. Ceux qui vont me plaire, je les reprendrai. Ceux bah, qui me plaisent pas, je ne reprendrai pas. Et je crois que c'était un repas, c'était du porc avec du porc madras. Et j'ai retrouvé quasiment le goût des épices dedans. Je sais pas ce que c'est comme épices, hein, mais vraiment, c'est, enfin pour moi, c'était vraiment désagréable. Bon, mais sinon, bon, c'est bourratif, hein, ça cale bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais franchement, je reprendrai pas parce que je suis quand même un petit peu déçu. Mais là, j'ai dû mettre un petit peu de matière grasse dedans pour pouvoir que ce soit un peu plus, plus facile à passer. Parce que c'est vraiment sec. Hein, mais bon, c'est mon compte rendu. Donc, il fallait goûter, j'ai mangé. Maintenant, j'ai mangé un yaourt nature. Et puis, je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo sans repas, parce que moi, je vais continuer quand même, mais je vais reprendre William Saurin parce qu'il y a d'autres repas. Allez, je vous dis à bientôt.